Oh non! Ah non, j'avais presque! Putain, j'aurais jamais dû pisser dans cette eau. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Sekiro. Après cette blague douteuse et complètement foireuse, on se retrouve dans le marécage, rappelez-vous. Un endroit maudit où, hop, putain, j'ai bientôt un point d'XP. Il faudrait que je tue des gens. Il va me tirer là-dessus. Hop là, raté. Aïe. Pour essayer de gagner un peu de level. 160, c'est pas beaucoup. Je vous avoue que c'est pas beaucoup, 160. Haha, raté! Raté! Alors, vous avez vu, les attaques imparables, on peut quand même les parer. Je viens de réussir à parer une attaque imparable. Attention. Doucement. Doucement. Je veux juste gagner mon point. Hop là. C'est bon. J'ai gagné le point que je voulais. Rappelez-vous, on avait abattu une salope ici. Une... Je sais même pas comment appeler ça. Ah non, juste une salope hein, qui tenait beaucoup, qui récupérait facilement de son endurance, de sa stamina. Bonjour monsieur le singe. On avait déjà abattu ce singe ici. Voilà. Et il fallait qu'on descende là. Non, il fallait pas qu'on descende, ça me paraît un peu haut. Même si on est un shinobi, ça me paraît quand même un peu haut. Du coup. Là par contre, ça me paraissait bien. Voilà, on était arrivé là. Alors. Il y a forcément un truc qui va mal se passer. Il y a forcément quelque chose qui va m'arriver dans la gueule. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors? Bah non. Bah alors? Il y a pas un... On va dire que j'ai lancé un D20 et réussite critique, il s'est rien passé. Oh! Bonjour vous! Regarde d'abord à un tour. Putain, il a réussi à avancer jusque là. Il est vraiment balèze. Hein. Elle a disparu. Mais elle était là. Il y a juste un instant. Bonjour. Mmh. Oh. Shinobi, écoutez, je l'ai enfin vu. Le shamisen était joué par une femme. Je ne l'ai vu que de loin, mais j'ai pu la voir. Une présence magnifique et pourtant fugace. J'aurais dû demander si elle m'appelait. Il n'y a pas une prothèse de chimie, non. J'étais hypnotisé par la musique. Et avant que je m'en aperçoive, elle avait disparu dans le brouillard. Ouais. Maintenant que j'y repense, mon père me racontait des histoires sur une ville cachée au fond du brouillard. Une ville... inquiétante. N'y va jamais, me disait-il. Mais... jamais, c'est avant 30 ans. Ça n'a plus d'importance, maintenant. Maintenant, il y a une forêt dense et brumeuse sur mon chemin. Si seulement j'arrivais à comprendre comment la traverser et trouver cette joueuse de shamisen. Attirer jusqu'au donjon...
Essayez de retourner au donjon abandonné. Je vois. Le vieux donjon, hein? J'ai pas compris. Oui. Il est peut-être connecté à la source de la mélodie. Si cette personne peut m'aider à retrouver la joueuse de shamisen, peut-être devrais-je aller la voir. Le donjon abandonné. Merci. Je vais aller voir dans le donjon. Ouais, c'est exactement ce à quoi je pense. Oh. En tout cas, il y a un point de sauvegarde. Qu'est-ce que je fais là? Une nouvelle zone s'est offerte à nous. Pardon pour mon français. Oui, des papillons. Je vais où? Pardon? Un poulet! Meurs! Créature démoniaque! Encore une balle de Missou? Je pensais que je vais me faire massacrer par des poulets? Monsieur le poulet! Oui, mais non! Je peux pas mourir abattu par un poulet quand même! C'est des fantômes, ça? Ici. C'est des fantômes? Ils peuvent mourir? Des fantômes qui peuvent mourir? Je comprends rien. Excusez-moi. Il n'a pas eu le temps de sortir son sabre. Bah. Ah d'accord, on les voit pas de loin. C'est ça le truc. Ow! Vache! Enfoiré! Ouh! Le truc c'est ça, d'accord. Faut s'attendre à avoir quelqu'un qui nous saute dessous à tout moment. Bonjour monsieur le poulet. Merci pour me redonner de la vie. Ninja! Là, c'est quoi ça? La, je ne sais pas ce que je fais. Merde, il y a un mec qui est mort. C'est... Oh, vous. C'est qui? On l'a déjà rencontré? Si vous connaissez la voix de Bouddha, pourriez-vous tuer celui qui s'y oppose? Celui qui s'oppose à Bouddha? Hein? Oui. Celui dont je parle se cache dans un temple abandonné un peu plus loin. Il fait tomber sur le village un brouillard sombre pour tromper les villageois. D'accord. Un temple abandonné? Oui. C'est un vieux bâtiment. La porte est sans doute fermée. Il y a un trou au deuxième niveau. Ok, merci du renseignement, papy.
Est-ce que je peux lui reparler? Alors, le temple abandonné, la porte. Ouais, il y a un trou au deuxième niveau. Ok, j'ai compris, je me casse. Je vais aller attaquer des poulets parce que... Bah alors? C'est marrant, c'est des fantômes, mais... Ils saignent quand même pas mal pour des fantômes. Morsure, qu'est-ce que c'est que ça? Une drogue secrète de shinobi de couleur bleue. Mourir de sa propre main parfois nécessaire. Les samouraïs tournent leur sabre contre eux-mêmes par fierté. Mais les shinobi ont besoin d'un moyen plus rapide pour mourir. Faut utiliser cette drogue. Il suffit de la mordre, rien de plus n'est requis. Ne limite pas de résurrection après usage. Ne limite pas la résurrection après usage. Quoi? Qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, je me suicide? Pourquoi je ferais ça? C'était un peu silencieux. Je suis sûr d'avoir vu quelqu'un en dessous là. Rien à récupérer, hein. Où est le loot? Là, voilà. Bon, d'accord. Au. Eh oh. La caméra s'il vous plaît. Merci. Putain. Oh. Aïe, aïe. Oh la vache. La violence des mecs. Je reviens. Je vous massacre tous. Tout ce temps que vous êtes. Ta gueule. Ta gueule. Oh merde, bah oui, je me suis fait taper dans le dos en même temps. Je peux pas parer un coup dans le dos. Non, bon, on va crever, on va se laisser mourir. On va réattaquer derrière. J'ai pas réussi à faire les attaques sautées, hein. Ça m'a... C'est peut-être ça qui m'a niqué. Peut-être arrêter d'attaquer des poulets sans défense aussi. Bon, lui, il est peut-être pas sans défense. Bah. Oh. C'était quoi ça? Bonjour. Putain, le poulet. Un peu de vie pour moi. Est-ce que je vais m'en sortir? Yes! Le poulet, maintenant! Putain, la violence des gars! En même temps, le poulet, il m'a... un peu abattu comme un chien. Ouais, j'ai que ça à dire. On va recommencer. Très mauvaise run. Est-ce qu'ils ont peur du feu? Ça, je ne sais pas. En tout cas, ce poulet va mourir. Voilà. Ensuite, ce poulet va mourir. Voilà. Lui, il veut que je tue un mec qui croit pas en Bouddha. Voilà. Ça fait un. Pouah, le salto arrière du poulet.
On va rester discrétieux. Pour aller tuer des fantômes quand même. Là, voilà, là je l'ai. Cool. Alors, suivant. C'est là, là, il y avait un truc à récupérer. Mais il y a un peu trop de loups à mon goût. Ouais, il y a des loups qu'on ne voit pas en fait. C'est ça le truc. Je sais pas ce que je fais là. Je longe, j'observe. Là, il y a un mec qui a le dos tourné. Ça me va. Ça me va très très bien. Pour l'instant, la stratégie est parfaite. Truc à récupérer là. Ah, finalement, ils étaient deux. Ok. Ça me va. Ok. Alors, il faut que j'arrive à aller jusque là. Oh, il y a un mec pendu là-haut. C'est pas du tout un chemisène, ça. C'est une flûte. Allez, je vais le tenter. Bon, c'est bon. Il n'y avait plus de vie. Il pouvait rien faire. Je vais le poursuivre. En tout cas, on entend bien la petite. Non, 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 non. Oh là 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 là, le loup qui a paru comme ça. Elle vient de battre. Raté. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il faut que j'arrive à monter de toute façon. Ah, j'avais cru entendre une fausse note, mais non. Bon, comment on fait pour grimper? Est-ce que c'est au deuxième étage qu'elle a dit, la dame? Mais partout. Ouais, non, on peut pas passer par là. Forcément, un chien qui va arriver. Il y a un chien qui va sortir de n'importe où. Ah non! Yes! Ça passe! Oh la vache! Non! Allez, fuck! J'allais dire, ouais, il y en a qui étaient là. Bon, il m'a même pas vu, d'accord. Bon, la caméra non plus, il m'a pas vu. Et on les voit à la fin, hein. Bon. Comment je fais pour monter à cet arbre? Non, ça sert à rien. De l'huile. Je me demande s'il me donne autant d'huile. Est-ce que c'est pas parce qu'elle est sensible au feu? Est-ce que le prochain boss serait pas sensible au feu? Comment je fais pour monter? Là, ils vont être 15. Ouais, voilà. Ah, c'est des chiens. Où est-ce qu'il est?
m'en fous, j'ai fait une parade parfaite. Ça compte. Lui, il est omnibulé par le shamisen. Alors, comment grimper là-haut? Là-bas, il y a le camp entier. Là-bas, il y a trois trucs à récupérer. Ça me tente quand même bien. Où est-ce qu'ils sont? Là. Vu. Oh merde. Ils sont où? Ah d'accord. Voilà. C'est bon? Eh non! J'ai tué votre maître! Oh là là, la parade! Oh, c'était beau! Oh, un autre archer! Ah oui, mais non! Par contre, j'entends l'archer. Et il m'en veut! Oh merde. Ah, je le sens pas bien là. Je vais m'en prendre une. Ouh. Eh, je suis sur un... Oh, oh l'enculé. Ok, viens de là-bas. Excusez-moi, ça va prendre. Non mais chope-le, voilà. Juste au-dessus, hein. Qui c'est qui m'a vu? Où? C'est bon. Pas si loin hein, pourtant. Je l'ai eu. Toi, tu vas lâcher. Voilà. Piou. Alors, ensuite. Ensuite, on allait là. Je voulais aller là pour ensuite aller là. Là, je suis à bout. Attends, il faut que je m'entraîne contre ces... Les fantômes et les réflexes de malade qu'il faut avoir. C'est quand même fou. Tout ça pour des graines de boutrolles. Ouais, il y a des trucs en bas, ils ont pas l'air sympas. Mais alors, pas l'air sympa du tout. Non, ils ont rien vu. Par contre, j'arrive pas à savoir comment je fais pour monter là-haut. Et là, il y a quand même un mec. Il est avec ses singes. Brouh. C'est un singe qui m'a tiré dessus. Venez vous battre. Voilà. Chacun son tour. Vous y passerez tous. Oh, il a jeté son truc. Pourtant, vous y passerez tous. Même toi, là, en bas.
J'ai pas envie de crever. Il sait exactement où je suis. Ah ouais. Ouais, bah non, hein. On va pas aller titiller maintenant. J'aimerais bien déjà aller voir s'il n'y a pas un point de sauvegarde un peu plus loin. Oh, j'ai le... Oh, de la cire. Ah, et c'est là qu'on peut aller pour... Ok, d'accord. Donc là, il m'a oublié. Je vais essayer d'aller le vaincre. Alors, je vous promets rien. Je vous promets vraiment rien. Ça va quand même être assez hard. Qu'est-ce que j'ai pour moi qui pourrait me servir? Tac, dégâts, vitalité. Ok, celui-là. Et ce sera tout. Aha! Surprise! Non! Non! Oh la vache! Heureusement que j'ai pris mon truc! Oh la vache! Raté! Ah, raté! Merde, j'ai raté mon coup! Non, ça sert à rien, ça! Non! Putain! Tu fais n'importe quoi! Tu fais n'importe quoi! Je suis sûr que je peux l'avoir en plus, c'est ça qui est chiant! Oh non, bah c'est fini. Je suis revenu pour mourir. Oh non, l'enfoiré. Comme quoi, les petits bonbons, ça va quelque chose. Hein. Oh la vache, je suis revenu pour crever, quoi. Ouais, ouais, je sais déjà tout ça. Bon, là, par contre, si ça marche pas... Ça serait trop beau. Bah oui, bah pouh. Ça y est, je suis tombé. Bonjour. Excusez-moi. Ouais, je voudrais juste remonter. Ah, c'est là. Merci. Bon, le poulet, il m'a abandonné. On peut vraiment aller par là-bas? Bah d'accord. Ah! Ah! Non mais... C'est surfait! La peur, c'est surfait. Et c'est vraiment une zone de ouf ici. C'était malade. Ils nous mettent de la difficulté vraiment grande. Peut-être qu'après, quand on aura tué le boss de la zone, peut-être que là, il n'y aura plus le brouillard. Et on sera plus serein. Et pour le moment... Voilà, là, ça marche. Pour le moment, ça pique quand même. Et je me fais même abattre par un poulet. Alors, alors bon, il n'y a plus de respect. Hein. Hop. J'aurais bien aimé essayer d'aller là-bas par contre. Hop là. Ah, et ça mène directement là. Oh, le raccourci. Allez, je fais une dernière tentative avant que cet épisode ne s'arrête.
Il y a toujours les singes, hein. Non, ne vous inquiétez pas. Eux, je les maîtrise. Oh la vache! Ça va m'en donner un peu de vie, ça. Haha, t'as plus ton sabre. Salope. Ok. Et là, la stratégie, c'est de se barrer comme un lâche. Comme ça, il va nous oublier. Oh, attendez, on en est où? Bah, non. Hop là, donc là, il nous a oublié. C'est ça qui est un truc intéressant dans cette baraque, en plus. Tic 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 tic. Ah, c'est pas dans la baraque en tant que telle. C'est là-bas. Vous aurez... Et vous allez voir que j'aurais fait tout ça pour un bout de poterie à la con. Ou des boulettes. Ouais, c'est... Voilà. J'ai fait tout ça pour des boulettes. Coucou. Run 2. Mort. Ok. Oh non. Oh, faut pas lui sauter dessus en fait. Et ben voilà. Bon, et ben écoutez, je pense que c'est sur cette mort que... Que va se terminer l'épisode. Non, je déconne. Deuxième chance. Allez, deuxième chance. Raté. Non, 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 non. Oh la vache. Allez. Oh. Oh, j'ai pas vu venir le deuxième coup. Non! Yes! Non, 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 tu ne me craches pas dessus. Ah, l'enfoiré, il revoit encore. Hein. Aïe, c'est bon, je tiens le coup. Oh, le troisième coup, je l'ai pas vu venir. Non. Putain, j'aime pas quand il fait ça. Yes. Oh la vache. Le poison est là. Hein. Oh, ça a rien fait. Ok. Passe à travers. Oh non. Non, me tue pas tout de suite. Oh la vache. Ok. Autant pour moi. J'ai voulu prendre une boulette. Bon allez, sur ce je vous dis à la prochaine. Et amusez-vous bien. Salut. La vache. Ça devient dur. Ça devient très dur.